Allez tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque je suis en compagnie de ma sœur. Donc présente-toi, tu t'appelles comment? Bah Asma, je suis la quatrième et j'ai 13 ans, voilà. Voilà, donc vous l'avez peut-être déjà vu dans mes anciennes, dans une de mes anciennes vidéos qui était... Un swap d'anniversaire. Oui. Voilà, ça fait très très longtemps qu'elle n'est pas venue sur ma chaîne et elle avait envie de revenir. Donc, comme vous aurez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons faire un crash test des produits de chez Garnier. C'est leur nouvelle gamme de chez Garnier, donc c'est le Fructis à la pastèque. C'est pour les cheveux assez fins, donc pour moi. Moi j'ai les cheveux de la nature assez fins et toi? Moi un peu épais mais facile à démêler. Enfin, ouais, alors que moi c'est très compliqué de les démêler. Donc ils m'ont envoyé Ivancy et Garnier, donc c'est grâce à Ivancy que j'ai pu recevoir ceci. Donc ils m'ont envoyé premièrement le shampoing Fructis, ils m'ont envoyé ceci, donc c'est un shampoing repulpant qui est fait avec 96% de produits naturels. Donc il va nourrir et laver en douceur votre cheveu sans l'alourdir, voilà. Donc on va le tester toutes les deux, comme ça vous allez voir sur différents types de cheveux ce que ça va rendre. Ensuite ils m'ont envoyé ceci. Donc c'est le démêlant, donc voilà, c'est un après-shampoing hydratant et démêlant. C'est une formule riche à 87% d'origine naturelle. Alors en fait, ça va offrir un démêlage express à vos cheveux, tout en légèreté. Et en troisième, ils m'ont envoyé ceci, donc c'est un masque. C'est un masque en 3 en 1 qui va nourrir votre cheveu. C'est pareil, là la formule elle est à 97% d'origine naturelle. Sa texture elle est assez douce, assez onctueuse. Nous allons tester tout ça, toutes les deux, et vous allez voir ça en direct. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a les cheveux secs. Donc moi la dernière fois que je les ai lavés, c'était il y a 3 jours il me semble, et toi? Il y a 3 jours aussi, voilà, mercredi, 3 jours aussi. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas du tout la même nature de cheveux. Regardez les siens. Donc ils sont épais, plus volumineux, les boucles elles sont... Bah là en même temps elles sont pas très belles les boucles puisque c'est le troisième jour, c'est comme moi, regardez mes boucles elles sont déformées, enfin il n'y a plus de boucles. C'est enfin, plus défini, c'est... C'est pas très défini comme vous pouvez le voir, regardez derrière. Enfin c'est vraiment pas beau. Là on va aller se rincer les cheveux, on se retrouve juste après. Donc voilà, on vient de laver nos cheveux. Donc ils sont trempés comme vous pouvez le voir, ils sont emmêlés les miens, je le sens. Ils sont la caméra. Ouais. C'est horrible. Regardez ses cheveux déjà de nature, comment ils sont, voilà. Nous allons appliquer le shampoing. Voilà à quoi il ressemble, de toute façon vous l'avez déjà vu. Donc on va sentir la pastèque, on va sentir. À vous faire la vidéo à ma place, hein, c'est... Bah oui, ça sent trop trop bon. Ça sent la pastèque. Mais je vais entendre un temps. Si vous voyez, mais moi elles sont blanches, c'est normal, j'ai mis l'après-shampoing avant. Je suis bête. J'ai peur après, je sais pas si j'en ai ma beaucoup. Texture. C'est déjà c'est trop beau genre. C'est du shampoing rouge, mais c'est beau. Bon. Elle était prête? Vas-y. Vas-y, franchement, en première impression, bah, c'est très agréable. En tout cas, la texture elle est bien. Enfin, c'est un shampoing. Il mousse très facilement. Moi j'aime bien. T'aimes bien? Oh, j'aime trop. Vas-y, mets un peu devant l'œil. Là, nous allons aller rincer. Non, 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 tu refais, déjà, tu remets la serviette. Ah, excuse. Là, nous allons aller rincer nos cheveux et on se retrouve juste après pour mettre l'après-shampoing. On se retrouve après avoir lavé nos cheveux. Donc, franchement, bah, c'était facile d'enlever. Enfin, bref, c'est un shampoing. Ça sent hyper bon, par contre, c'est trop bien. Ah ouais. Ouais, bah oui, oui, on a encore le temps là. Oui. Mais regardez les nœuds que j'ai, je vais souffrir. On va appliquer le démêlant. Ouais, le d'après-shampoing, c'est ça. Donc, bah, c'est parti. Hein. Je te le fais à tout, oui, tu me donc, l'après-shampoing, le démêlant il s'applique que sur les pointes et pas sur les racines parce que sinon ça peut graisser vos cheveux. Enfin, nous, parce qu'on a déjà eu les cheveux gras, clairement, non. Ils sont tout le temps secs, j'ai envie de le dire. Du coup, je vais lui faire à ma soeur. Tu mets sur les longueurs. Voilà. Donc, j'ai mis tout ça et je vais appliquer sur ses longueurs. Sur ses longueurs, donc. Regardez. Voilà.
Donc voilà, vous prenez tout ça et vous en mettez un max sur vos... Enfin, un max, ça dépend comment ils sont vos cheveux, quoi. Oui, moi c'est que là, je vais les démêler avec ça. Juste après, là. Donc j'en mets beaucoup. Alors toi, soit tu vas rincer tes cheveux, ou tu veux que je le fasse. C'est mieux que tu me fasses, pour moi je mets de l'eau partout. Ok. Moi d'ailleurs, faut que je démêle mes cheveux maintenant. Toi tu les démêles pas? Non, moi j'ai pas. Le poudre, vous séparez vos cheveux soit en deux parties ou en trois. Ou en deux parties et vous allez brosser vers le... Enfin, les pointes, quoi. Voilà. Comme ça, quand vous allez démêler le nœud plus haut, il va glisser sur les cheveux démêlés, en fait. Voilà. Après, je pense que ça, tout le monde le sait, mais je préfère le rappeler. Je viens de me démêler les cheveux, comme vous pouvez le voir. Et les rincer. Oui, évidemment. On a rincé nos cheveux, après avoir mis le démêlant. Et moi, je les ai lavés. Je viens de les brosser. Regardez, ils sont trop beaux. J'aime trop. Moi, j'ai comme ça, mes cheveux... Attends, je vais me faire une boucle. Ouais, regardez comment je fais mes boucles. Vous faites ça, ça, hop, bon. Ah, mais c'est pas bon. Ah oui, moi je... Pour ça, je reste une heure dans la douche. Mais ça fait une semaine que je fais ça, j'ai vu ça sur TikTok. Après, vous restez 3 secondes et là, vous retirez votre cheveu. Mais c'est trop bien. Ouais, c'est comme ça que je fais mes boucles. Bref, nous allons faire ce masque. Donc ceci, c'est 3 en 1. Ouais, en soit de démêlant, de masque. Et voilà, et en soin de sans rinçage. Donc moi, tous les matins, j'humidifie mes cheveux et je mets juste un peu d'eau et je mets ceci. Et ça va faire, ça va reformer vos boucles en fait. Voilà, c'est ça que j'utilise pour reformer mes boucles tous les jours. Et franchement, j'aime beaucoup. J'utilisais déjà l'ancienne gamme, c'est-à-dire la gamme à la banane. Franchement, elle était trop bien. Et c'est moi qui l'utilise après la douche, après avoir démêlé tout ça. Oui, bah moi aussi. J'aimais ça. Et après les boucles elles sont trop bien. Genre ouais. Ça a changé la vie de mes cheveux quoi. Ouais, je vous assure, c'est vraiment la vie. Les boucles, j'avais pas de boucles en fait, elles étaient cassées et ça. C'est trop bien. On a testé tout ça, c'est trop bien quoi. Bon, on va appliquer le masque. Je te l'applique ou tu le fais toute seule? Non, on l'applique toutes les deux en même temps. Ouais, c'est bien. Attends, on va faire une partie déjà. Vous allez laisser poser le masque. C'est combien de temps c'est vrai que vous le laissez poser? Donc le masque, il faut le laisser poser 3 minutes. Voilà, je pense que j'en ai assez mis. Voilà, vous en mettez sur vos pointes. Et les longueurs. Donc, voilà, là on s'est démêlé les cheveux avec du coup le soin. On s'est démêlé les cheveux avec ça. Mais franchement, ça a été très simple de démêler nos cheveux. Ouais, hyper facile. Enfin moi, c'est facile. J'aime trop la pasté. Alors là, moi je sais pas comment, toi tu vas faire tes boucles de ton côté, moi je vais faire les miens. Ouais. Donc je redémêle une dernière fois mes cheveux. Je vais mettre du produit, donc j'en prends beaucoup. Et j'en mets des deux côtés. Voilà. Après j'en mets partout. Tous les cheveux. J'en ai mis beaucoup. Moi je trouve, oui. Ah oui, logique. Moi j'en ai pas une tonne. Ce produit il est trop bien. C'est vrai? Ah ouais, trop. Bon, là c'est ma soeur qui parle. Du coup, là je reviens rebrosser. Je sais, je suis bizarre, mais c'est pour être sûr qu'il soit démêlé. Parce que moi, il s'en mêle très facilement. Moi, comment je fais mes boucles? Je vous ai déjà montré tout à l'heure. Voilà, je prends mèche par mèche. Vous voyez, là j'ai plein de petits cheveux, c'est trop chiant. Je prends cette mèche, je vais venir la rouler. Alors, comment je fais ça? Je sais pas. Genre, c'est. C'est automatique. Voilà, et après vous lâchez. Et là, vous détendez la boucle. Et voilà. Bon, d'habitude je l'ai fait mieux. Du coup là je passe à l'autre mèche. Et en fait je vais faire ça avec tous mes cheveux. C'est assez long, hein, je vous jure c'est long à faire. Oh, est-ce que c'est beau là? Oui. Voilà, on a à présent terminé, donc regardez mes boucles, comment elles sont trop belles. J'ai fait ça sur tous mes cheveux, c'était hyper long, mais bon. Je suis contente du résultat, donc voilà, nos cheveux sont soyeux, brillants. Regardez, c'est ça. Ouais, mais c'est trop beau.
T'en penses quoi des produits du coup? Bah en vrai, c'est trop trop bien, les produits et tout ça. Là, mes cheveux sont souples et ils brillent quoi, donc... Regardez ses cheveux. Elle a des trop belles boucles, moi j'aimerais trop en avoir des comme ça. Elle, c'est naturel à fond. Moi j'ai dû les former. Alors que moi je les faisais pas, avant je faisais juste des scrunchs comme ça. Et ça les formait, mais bon. Puis maintenant... Mais après moi c'est un autre style de boucle et franchement j'adore. En vrai, elle a pas les mêmes cheveux du coup. Bah, c'est pour ça. Elle vient, on s'en met le cheveu comme ça, il voit bien. Attends. Voilà à quoi ça ressemble, on se met le dos. On se retrouve 2-3 heures après, on a vraiment attendu que nos cheveux sèchent pour la vidéo parce que là il doit être minuit. Donc voilà à quoi ressemblent nos cheveux, comme vous pouvez le voir ils sont brillants, soyeux, ils doux. Trop, hyper doux. Wow. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je suis fan, j'aime trop. T'aimes bien? Ouais, non mais t'aimes bien ton gilet? J'aime trop. T'as vu, ils sont doux. Regarde, c'est trop beau. Les boucles, elles sont waouh. Ouais, franchement on valide les produits du chez... Garnier à la pastèque. Voilà. Magnifique. Ah, je veux les mêmes cheveux. J'aimerais trop avoir des cheveux comme ça. Regardez, c'est trop beau. Si vous entendez des bruits, c'est normal. Il y a notre chat qui est là. Waouh. Je kiffe. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo, ce crash test de ce produit. Et dites-nous si ça vous intéresse ou pas. Que je fasse d'autres vidéos crash test aussi. Non, on a adoré. Ouais, franchement, c'était trop bien. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Ils sont magnifiques derrière. Ils brillent. Ouais, c'est waouh. J'aime trop. Regardez. Regardez les boucles de plus près. Bon. Donc, vous aurez le lien des produits en barre d'infos. Toutes les informations. Si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi soit en commentaire ou même sur pas. Mon Instagram, voilà. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas nous, bah, comme vous pouvez le voir, on a adoré. On est trop contents du on est trop satisfait du résultat. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à la partager. Ça nous fera super ultra plaisir. Et je remercie Garnier d'avoir collaboré Selma. Franchement. D'avoir collaboré avec moi. Bon, on fait de gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Bye.